Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous découvrons les 10 plus belles femmes de footballeurs. Mannequin, candidate de télé-réalité, actrice, certaines femmes de footballeurs se démarquent aussi bien par leur projet professionnel que par leur plastique de rêve. C'est le cas par exemple de Bruna McKenzie, comédienne depuis de nombreuses années, mais aussi compagne ultra glamour de Neymar. Comme dirait l'adage, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Sans doute peut-on parler ici des compagnes de footballeurs. Découvrons ensemble les 10 plus belles femmes de footballeurs, c'est parti. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Rose Bertram. La compagne de Gregory Van sait comment se mettre en valeur devant les appareils. Avec un regard attendrissant, on comprend pourquoi l'ancien joueur du PSG est tombé sous son charme. Rose Bertram est une mannequin belge qui a été embauchée par sa mère pour une agence de mannequins à l'âge de 13 ans. Sa première séance photo a eu lieu avec Jean Bosch et elle a paru dans plusieurs autres campagnes, comme pour L'Oréal, Primark, et elle est devenue le tout premier modèle belge à figurer dans l'édition Swimsuit de Sport. En dehors de cela, elle a également modélé pour de nombreuses maisons de mode et est devenue l'un des modèles les plus populaires et les plus jeunes en Belgique. Cependant, elle n'a pas toujours été la jolie mannequin qu'on connaît aujourd'hui. Elle a admis elle-même qu'elle était un garçon manqué en grandissant et s'est toujours trouvée heureuse en compagnie de garçons. Enfance et adolescence, elle était accro au football. Après avoir été engagée par une agence, Rose a commencé à travailler sur son corps. À 16 ans, elle a commencé sa carrière chez Dominique. Son tout premier prétexte était une séance photo. Sa popularité a augmenté progressivement et a toujours continué à apparaître dans les reportages pour L'Oréal, Primark et Unke Moller. Dalish Metoise. Depuis un certain temps, des rumeurs ont émergé sur la toile annonçant que la star du football togolais, l'international Emmanuel Adebayor et la lauréate du jeu concours Big Brother Africa de 2013 sont en couple. Cependant, tout a été confirmé par les deux concernés. La star namibienne, Dalish, a posté la photo d'elle et Adebayor en Turquie. Dalish Metoise est la lauréate 2013 de l'émission de télé-réalité Big Brother Africa. Elle a représenté la Namibie au cours du BBA, faisant d'elle la première colocatrice namibienne à remporter l'émission de télé-réalité continentale. Cependant, il n'y a pas que sa beauté qui la met en valeur. En effet, Dalish Metoise est une femme entrepreneur, milliardaire en francs CFA. La valeur nette de Dalish est maintenant de 1,5 milliard de francs CFA. Elle est engagée dans le secteur des glaçons, baptisé Dalish Cool Cube. Les glaces sont livrées dans les bars ou restaurants du pays. En 2014, elle a lancé sa ligne de rouge à lèvres et brillant à lèvres appelée Vol by Dalish. Elle a également été lancée au Zimbabwe, en Zambie, au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie. Ruby Maye. À seulement 23 ans, Ruby Maye est l'une des compagnes les plus sexy de ce mondial. À son bras se pavane certainement le joueur britannique Del Ali. Au vu de son physique, il n'est pas difficile de croire que la sublime Ruby Maye est un mannequin spécialisé dans la lingerie. La belle partagerait la vie du sportif depuis maintenant 2 ans. Découvrez Ruby Maye, la jeune incroyablement sexy de Del Ali, le talentueux milieu de terrain de Tottenham et de l'équipe nationale anglaise. Del avait 11 ans quand il a rejoint City Colt en 2007. La même année, il a rejoint Milton Keynes Don. Le 2 février 2015 a conclu un contrat de 5 ans avec Tottenham. Il a fait ses débuts internationaux avec l'équipe d'Angleterre des moins de 17 ans en 2012. Par la suite, il a été appelé dans l'équipe des moins de 19 ans en février 2015. Amine Gilles, compagne de Mesut Özil. Mesut Özil est un joueur allemand qui occupe le titre d'attaquant pour Arsenal. Après sa relation on and off avec Mandy Capristo, une chanteuse qui aurait probablement fait partie de cette liste aujourd'hui, Mesut fréquente maintenant la Miss Turquie 2014. Leur relation dure depuis plus d'un an déjà. Quant à elle, Amine Gilles est une actrice pour télévision turque et une mannequin âgée de 24 ans. Elle est originaire de la Suisse. La mère de Gilles est d'Izmir en Turquie et son père est Türkmen en Irak. Elle a un frère nommé Aaron Gilles, né et élevé à Göteborg en Suède. Elle réside actuellement à Istanbul en Turquie où elle travaille comme actrice et modèle. Elle a joué dans la série télévisée turque Asla Vazgeçmem. Depuis 2017, Gilles fréquentait le footballeur Mesut Özil. Shakira.
Cette dernière est régulièrement aux côtés de son mari piqué dans les magazines People pour le plus grand plaisir des fans supporters. Shakira, de son nom entier, Shakira Isabel Mebarak, née le 2 février 1977 à Barranquilla, est une auteure, compositrice, interprète colombienne. Après avoir émergé sur la scène latino-américaine, elle connaît le succès international à partir de 2002 grâce au titre Whenever et à l'album Laundry Service. Célèbre pour ses chansons mélangeant pop, latino et musique du monde, elle est également renommée pour ses talents de danseuse qu'elle met à profit dans ses concerts et ses clips. Celia Jonah et Zegans Krychowiak. Le joueur polonais fréquente aujourd'hui la blogueuse française Celia Jonah. Elle a son propre site internet Style by Celia qui traite la mode et du lifestyle. Elle pose aussi pour plusieurs magazines dont Elle Magazine en 2016. Non seulement elle pose pour des magazines et plusieurs compagnies, plus de 163 000 abonnés sur son compte Instagram. Vu ses photos et son look, ça n'a rien de surprenant. Elle est belle, brune, jeune et elle accompagne du footballeur Zegors Krychowiak. Celia Jonah est une jeune femme sur laquelle il faut compter auprès de son homme, mais aussi dans le monde de la mode. Si la jeune femme est née en France, les voyages ne l'effraient pas et à n'en pas douter, avec un footballeur dans sa vie, elle devra encore voir du pays. Yolande Cabo, femme de Wesley Snyder. À l'âge de 33 ans, Yolande est actuellement actrice, mannequin et animatrice de télé. Une dizaine de films et une dizaine de TV shows remplissant sa filmographie. En plus d'être sexy, elle est très généreuse. Elle est entre autres ambassadrice d'une fondation qui vise à contrer les abus sexuels chez les enfants dans les pays en développement. Sa vie avec le footballeur a débuté en 2009 et les deux se sont mariés un an plus tard en Toscane. Elle est d'origine espagnole et néerlandaise. Yolande est née sur l'île espagnole d'Ibiza. Son père, Xavier Cabo, était espagnol et sa mère, Richard, est néerlandaise. Xavier Cabo était un riche entrepreneur connu sous le nom de King of Ibiza. Il possédait plusieurs discothèques, restaurants et bars. L'enfance de Yolande en Espagne a été marquée des violences domestiques après que son père connut des problèmes financiers et est devenu accro aux médicaments. Quand elle avait 5 ans, sa mère s'installe avec ses enfants dans son pays natal aux Pays-Bas. Elle a 7 frères et sœurs ainsi que 5 demi-frères et sœurs du second mariage de son père. À l'âge de 17 ans, Yolande se lance dans une carrière d'actrice. Antonella Roccuzzo. Voici la sublime compagne de l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi. Originaire de l'Argentine, Antonella Roccuzzo est la femme de Lionel Messi. Née en 1988, elle est la fille de José Roccuzzo, un homme d'affaires argentin travaillant dans le supermarché, et de Patricia Blanco, une femme au foyer. Son cousin n'est autre que le footballeur Lucas Caglia, milieu de terrain des Jacksonville et meilleur ami de Lionel Messi. Si elle passe beaucoup de temps avec les deux hommes, sa relation avec le prodige du ballon ne reste longtemps qu'amicale. Lionel Messi s'installe en Espagne et tous les deux perdent un peu de contact, même s'il revient en Argentine pour ses vacances. Bruna Mackenzie. La belle actrice brésilienne n'est pas moins que la compagne de Neymar. La belle Brune a su charmer l'attaquant du PSG, un bien beau trophée. Bruna est née le 4 août 1995 de Ned Reis et de Telmo Maia. Le nom Mackenzie a été choisi pour rendre hommage à sa grand-mère. Elle a une sœur cadet, l'actrice Luana Marmudar, née en 2002 et qui fait ses débuts dans la série brésilienne dans laquelle Bruna Mackenzie joue également. En 1999, elle apparaît pour la première fois à la télévision brésilienne à l'âge de 4 ans. Depuis, elle a joué dans pas moins de 13 telenovelas malgré son jeune âge. Entre autres, elle tourne en 2003 dans le film Susa Abracadabra et en 2013, elle participe à l'édition brésilienne de Danse avec les Stars. Elle a remporté de nombreuses récompenses pour ses rôles à la télévision. En janvier 2018, ils officialisent la reformation de leur couple. Georgette Eto'o. Femme plutôt discrète, Georgette Eto'o partage la vie du footballeur Samuel Eto'o qu'elle soutient depuis ses débuts. La jeune femme d'origine ivoirienne est responsable d'un petit salon de coiffure à Nantes lorsqu'elle croise la route du footballeur amateur alors désespéré en recherche d'un club. Coup de foudre, Georgette devient un soutien indéfectible dans la vie de Samuel Eto'o. Malheureusement, le couple doit subir l'épreuve de séparation. Pour pouvoir vivre son rêve et jouer au football, Samuel doit retourner au Cameroun. Pendant de longs mois, le couple entretient une relation à distance jusqu'au retour du sportif en Europe lorsqu'il intègre le Real Madrid. Georgette le rejoint en Espagne. Leur histoire se concrétise par un mariage en 2007 et la naissance de 4 enfants.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les vidéos de David Fedet Top et vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonner juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification. Cependant, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.